Ouais, bah après, c'est un studio, donc. Caméra, il travaille à haute vitesse. Et... Ni comment il s'appelle ça ouf. Je peux sortir un petit peu, pas dehors, mais me pencher un peu plus. Mettre les fesses sur la fenêtre. Pour les fesses oui. Le buffle, il a... Oh, je crois qu'il va pas revenir. Puis là, il va se retrouver avec... Il retourne dans l'eau. Ouais, il a compris que l'eau, c'est son... ce qui peut le sauver. Salvateur. Tant qu'il n'y a pas de crocodile. Il est fatigué, il est seul. Mais question, sa corne qui est rentrée dans la patte de l'autre, elle n'est pas un peu fragilisée, non, non, non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Elle est nickel, Chrome. Je ne sais même pas si elle est nickel. C'est des pointes, tu sais. Ah, ah, ah. Ah, si. Je rêve où le lion s'est couché. S'est couché. Non, il prend le de champ. Là, il prend conscience qu'il y en a deux. Trois. Ouais, hein, pour le... trois. Le troisième, il est où? Il est couché avec la queue qui se lève de temps en temps. Non, il se couche. Voilà. Tout le monde se couche. Voilà. Et quel ça? Alors c'est drôle, pourquoi il va pas plus au milieu de l'eau? C'est curieux. Tiens, il y en a un qui arrive là. Non, lui il va vers la carcasse. Il va manger la carcasse, il trouve que c'est... Il vire le vautour. Attends. C'est le vautour. Ah, attention, ah, au fond là-bas. Il charge. Il est fatigué, hein. Non, puis il se dit tant qu'il est dans l'eau, ils vont pas l'emmerder trop. Celui-là, c'est un feignant fini, dis-moi. Pouf. Tout le monde se couche.
Un blessé. Attention. Ah, il se relève là-bas. Yes, I've had a little rest. Il leur dit, si vous me voulez, il va falloir venir dans l'eau. Il a du mal à tenir debout, alors. Ah, je pense qu'il s'encourage, là. En disant, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Il se laisse pas intimider, le bûcheron, hein, quand même. Non. Capable d'en embrocher un autre. Hein. Oui. Il risque d'avoir les deux autres sur le dos parce que là, ils sont tous à côté. Hein.